Salut, c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais te montrer en fait un des palos de flamenco. Alors, palo, c'est un style, hein, un des palos de flamenco les plus époustouflants, hein, vraiment celui qui envoie grave. Mais on va essayer de l'aborder en fait de façon facile. Je vais te filer donc un compas facile et une petite falsetta aussi facile. Donc, le compas, c'est la partie rythmique, hein, avec la métrique, les accords en fait intrinsèques, inhérents au palo qu'on est en train de jouer. Et les falsettas, c'est lorsque tu décroches sur des mélodies, des micro-compositions. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te filer donc un compas facile et une falsetta facile por bulería. Bien sûr, on va voir ça lentement, mais en rythme avec des palmas. Alors, la bulería, c'est un style de flamenco, c'est un palo de flamenco hein, qui est dans la grande mesure de 12 temps. On va dire qu'on a trois accords principaux, le la majeur hein, dans la façon flamenca, le si bémol, le do 9. Ok? Il faut que tu t'habitues à enchaîner ces trois accords. Et à placer un petit lié ici avec le majeur. On va jouer principalement avec l'index au niveau de la main droite, hein, en reposant le pouce sur la corde demi-grave et en jouant assez près du chevalet hein, pour avoir une bonne réponse des cordes sous les doigts et le claquant nécessaire. Donc lentement, le compas, ça nous fait ça. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors parfois j'ai un petit peu de mal à compter et je joue en même temps. Ok, je te le remonte lentement. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On coupera toujours sur le 10, comme ça on laisse le 11e temps soit pour respirer, mettre un silence, soit parfois pour marquer un golpé. Et bien souvent, on va partir sur une falsetta sur le 12e temps. Et juste avant dans le compas, on va faire un rasgueo. Le rasgueo va annoncer hein, toujours la falsetta. Ce qui est intéressant avec cette falsetta, c'est qu'elle est assez lente, elle n'est pas technique, elle n'est pas très difficile à jouer, elle sonne, donc c'est pas très compliqué pour cela mémoriser. Parce que ce qui est assez délicat, en fait, dans la bulería, au départ, c'est d'arriver à jouer dans les temps. Donc c'est une falsetta un petit peu à l'ancienne, un petit peu traditionnelle, qui est issue de la très 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 bonne méthode hein, de guitare flamenca, El Arte Flamenco de la Guitarra de Juan Martín, parue dans les années 70. Donc l'autre intérêt de bosser cette falsetta, c'est qu'elle n'est pas très compliquée dans les doigts main droite ou main gauche, que tu as quand même des petites contraintes, hein, faut jouer dans les temps, tu as un petit alsapua, on va la revoir lentement. On refait pareil. Golpé. Alsapua.
Donc pour la tsapua, ça tombe bien, on en a parlé il n'y a pas longtemps. T'es pas obligé de mettre tous les golpés, des fois je trouve que c'est un petit peu redondant, j'en marque que quelques-uns, parfois pas du tout, hein. Et t'as vu la sortie, le rasgueo qu'on a? De 3, 4, 5, ok? Ce qui nous fait... Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Tu as à la fois un petit compas de buleria qui devrait te demander un petit peu de boulot, hein, parce que c'est, voilà, c'est quand même pas rien, hein, la buleria. Et ensuite, une falsetta. Donc, je pense pas qu'elle soit très compliquée. Bosse tout ça très lentement et ça devrait le faire. Si le flamenco, c'est quelque chose qui te plaît et l'apprentissage de la guitare flamenca, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui te branche, j'ai une playlist dédiée entièrement à l'apprentissage de la guitare flamenca sur le blog et je viens de sortir une formation où je détaille tout, vraiment tout, pour apprendre la guitare flamenca, où tu as des partitions, tu as 8 fichiers vidéo, on travaille sur au moins 6 palos vraiment importants, plus un regard sur d'autres palos un petit peu moins joués, à différents tempos, tu as aussi les backing tracks sur les palmas, tout ça c'est pour toi, et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao.